Yo quisiera, antes de dar paso a la intervención de Philippe Gandrier, y de hacer una mínima presentación, que creo que prácticamente a estas alturas no hace falta, porque Adrián Martin ya nos ha presentado toda una serie de secuencias de Philippe Gandrier, sí que me gustaría hacer un cierto balance o clausura del Congreso, un poco trazar los recorridos, y la verdad es que la intervención de Carlos, además, lo ha puesto un poco a huevo, porque ha abierto una serie de cosas que yo creo que conectan incluso con la apertura que hacíamos anteayer en la sesión inaugural. Y es un poco como Carlos hablaba de algo que yo creo que es esencial y que es una de las cosas que se ha ido desprendiendo de la variada aportación de este Congreso, y es la noción del gesto como resistencia, ¿no? Creo que esta idea que introducía Carlos a partir de Le Folie Almayer y El caballo de Turín, de la desaparición como resistencia frente al sistema capitalista, es un elemento que tiene que ver sobre todo con la idea de individualidad. Es decir, el gesto es siempre algo que conecta con la inscripción en el tiempo. Creo que eso es algo que ya se vio, digamos, desde el momento en que en la primera ponencia, Xavier Antich introdujo esta idea de la inscripción histórica del gesto, la inscripción de la individualidad y la idea, la posibilidad de que los gestos producidos por el arte en general y el cine en particular tienen en realidad una cierta misión de combatir, y seguramente en particular hoy en día, una cierta indigencia de otras formas visuales como puedan ser la publicidad, para fabricar gestos concretos, ¿no? El cine es una fábrica de gestos, eso es algo que la doctora Oksana Bulgakova nos ha enseñado de una manera muy, muy firme, y creo en ese sentido en la necesidad de reivindicar una estética de la resistencia del gesto, y en ese sentido incluso pensar o volver a traer a colación la novela de Peter Weiss, que en el fondo se concentraba sobre todo en la reivindicación de un gesto que era el del obrero ante la historia, pero también el del obrero ante el arte y ante su propia representación, ¿no? De alguna manera, la novela de Peter Weiss es también un conjunto de viajes, como las Histoires du cinéma de Godard, a través del gesto, de alguna manera también nos lleva a ese elemento del que partíamos, que es Avi Warburg. En cierto modo también, y dado que Carlos abría con unas imágenes de Bélatar, de esta película tan tremenda, devastadora y crepuscular de Bélatar, que es El caballo de Turín, creo que el gesto, tal como lo hemos ido abordando, no solo abre una estética de la resistencia, sino sobre todo una melancolía de la resistencia, para parafrasear la novela de Laszlo Krárnahorkai, adaptada en Las armonías Vermeister por Bélatar. Quisiera señalar en ese sentido, y con respecto a la individualidad, incluso con respecto a Bélatar, traer a colación una cosa que Domènech introduce en el libro de soslayo, y que yo recuerdo que en una ocasión ya me había dicho. Yo le había entregado un texto y él me había comentado que no sabía jugar con los textos de Nietzsche, ¿no? Que con Nietzsche no se podía trabajar como con una materia rígida, sino que Nietzsche, decía él, requiere que bailemos con él, ¿no? Uno de los textos que más han ido saliendo a lo largo de todas las sesiones son las notas sobre el gesto de Giorgio Agamben, donde vuelve a ese texto fundamental de Nietzsche, que es Así habló Zaratustra, y señala que es el ballet de una humanidad que ha perdido sus gestos. Carlos hablaba del siglo XIX, de ese momento crucial en el que se produce una especie de fractura fundamental del gesto y de lo visible, y de alguna manera películas como La Folie Almayer, como la de Bélatar, apuntan realmente hacia otro tipo de fractura de lo visible, y sobre todo hacia la necesidad de hablar sobre el gesto, de preguntarnos, y un poco lo que ha sucedido en este congreso, que yo creo que es sobre todo suscitar deseo en torno al conocimiento del gesto. Ayer por la noche, después de las historias extraordinarias de Ginás, salimos varias personas fuera de esta sala de proyección de la universidad, y de repente nos encontramos por azar con dos o tres personas que no se habían enterado justo a tiempo del congreso y sin embargo reivindicaban el intenso deseo que les hubiese suscitado estar aquí, de haberse enterado, y que sobre todo nos decían que continuemos con esta materia. Creo que eso es importante, es decir, el deseo que ha ido surgiendo, pues, a partir de las ponencias
pues, de Xavi Antic, de Oksana Bulgakova y Dietmar Hochmut, de Víctor Stoykitsa, de Gino Frezza, de Brené, de Nicole Brené, de Alain Bergalá, las intervenciones que acabamos de tener de Adrián Martín y Carlos Losilla, el anhelo de, sobre todo, formular preguntas, que los gestos sirvan para no solo hablar de la resistencia individual, sino la posibilidad de interrogar al cine actual y a la historia del cine, sobre todo. Hay una idea que atraviesa, también creo que ha atravesado todas las diferentes sesiones, que tiene que ver con la formalización de ciertas áreas o de ciertas tradiciones, ¿no? En el caso, yo creo que, por ejemplo, en el caso francés, hay una cierta tradición atenta al gesto, incluso al gesto convulso. No olvidemos que Francia es el lugar donde aparecen las investigaciones de Charcot, donde aparecen también en un determinado momento la frenología, donde en cierta manera Tati también nos habla de un cuerpo convulso, ¿no? Hay también toda una tradición que aquí ha comparecido de una manera muy fuerte, que es la italiana, el actor italiano. Lo hemos visto pues, con Gino Frezza, esta mañana con Alain Bergalá. Y a mí en particular he de decir que quiero subrayar una imagen que me gusta mucho de Palombe la Rosa, ¿no? Que creo que abre una serie de cosas. Hay ese momento que Alain Bergalá nos ha mostrado en el cual Nanni Moretti comienza a cantar Questo sentimento popolare, ¿no? Una canción de Franco Battiato del que hablábamos con Nuria hace unas horas. Yo creo que es un momento crucial sobre todo porque habla de una posibilidad de fractura, es decir, por supuesto no me pondré aquí a hablar de la música de Franco Battiato, pero sí que creo que hay un punto de convergencia ahí fascinante, es decir, el momento en que en Italia y sobre todo en una determinada Italia que ya intuía Pasolini, ¿no?, en su famoso artículo de las Luciérnagas, es decir, el hecho de que los gestos eran el único espacio de resistencia frente a una lógica del poder totalmente convulsa, totalmente equívoca, ¿no? Eso que está en Nanni Moretti siempre y eso que, en cierto modo, han analizado otros muchos autores, como puedan ser, por ejemplo, una película reciente que se llama Videocracy, que analiza los gestos de la época de Berlusconi, ¿no?, y cómo salir de ellos. Para Pasolini, los gestos populares en particular del sur de Italia, los gestos de Nápoles, eran el último refugio de una manera de saber entender la realidad con respecto a las imágenes. Hay un libro que a mí me parece fundamental y que no me resisto a mencionar porque me parece un poco el tratado inaugural que inaugura la aproximación que hemos hecho aquí, que es un libro de Andrea Di Giorgio, un libro del siglo XVIII, que seguramente pues, Raffaele, que está aquí, conoce bien, que se llama La mímica degli antichi investigata nel gestire napoletano. Es probablemente el primer gran acercamiento a un análisis del gesto antropológico y a un análisis del gesto como lugar de corte, como discontinuidad. Discontinuidad del gesto, continuidad del dispositivo. Es, en cierto modo, lo que se ha ido sucediendo a lo largo de toda esta sesión. Hay un instante de los fragmentos que nos ha regalado Raffaele de La sombra de Butades en torno a este episodio fundamental de la estética en Occidente, que, revisitado por Guérin, que yo creo que abre algo que tiene que ver con el gesto tal como lo trabaja Philippe Grandrieu. Y ahora sí que me gustaría presentar a Philippe. Y es que yo creo que las películas de Philippe Grandrieu, y es, creo que es una muy buena ocasión que sea el cierre de este congreso, abren un interrogante que aquí ha ido apareciendo veladamente, pero que creo que era absolutamente necesario. Es decir, hemos hablado de gestos cínicos y hemos hablado sobre todo de la mano, de la boca, del rostro como expresión. En Philippe Grandrieu, con su cine, yo creo que se abre un interrogante mucho más amplio, que es todo el cuerpo como gesto, la relación entre el gesto y la totalidad de la corporeidad, de una manera que yo creo que ningún otro cineasta ha investigado en ese sentido como él. Es decir, la posibilidad de trabajar de una manera que tiene mucho que ver con la herencia del cine experimental, la totalidad del cuerpo. Philippe Grandrieu, que se formó en el INSAS de Bruselas, que viene del cine experimental, que colaboró con el INA, que tuvo un extraordinario laboratorio, LIF, a principios de los años 90, donde salieron una serie de obras, que ha dado clase en la FEMIS y en algunos otros lugares, creo que abre un continente realmente muy, muy interesante y muy fascinante con sus obras Sombre, La Vie Nouvelle, Un Lac, donde experimenta incluso con elementos que conectan en ciertos puntos
con toda una tradición que es, por ejemplo, la del cine de terror y con toda una tradición que tiene mucho que ver con lo que nos ha estado explicando el doctor Raffaele Pinto, ya dado que la Vie Nouvelle a mí me parece una de las más hermosas aproximaciones a ese visibile parlare del que habla Dante y que en cierta manera pues se reitera aquí desde posiciones diferentes y conectando todo el contingente de esa herencia y todo el contingente de esa teoría del fantasma que viene de del siglo XIII con la contemporaneidad de una manera muy fuerte. El cine de Philippe Grandrieu también pone sobre todo de relieve la unión entre gesto y música, que es otro de los elementos que creo que era necesario como para cerrar todo el congreso, ¿no? Has colaborado con Alain Vega, con el grupo de Tandoné, y todo eso trasluce sobre todo la potencia del cuerpo y la idea de energía, que está absoluta e íntimamente ligada al cine de Grandrieu e incluso a sus producciones en el ámbito del videoclip, por ejemplo, Putting Holes, que es el videoclip para Marilyn Manson. Creo importante subrayar, además, no solo los muchos galardones que ha obtenido el cine de Philippe Grandrieu, el hecho de que estuviese hace unos años aquí en el MICEC de Domènec Font y que sea también una vía más de conmemorar incluso la aparición del libro de Domènec y desde luego su memoria, sino que dentro de esas posibilidades, hay dos últimas cosas que quisiera señalar y que me parecen claves con respecto a tu cine, Philippe, que una tiene que ver, en el caso de Anlac en particular, con la relación de la gestualidad y la naturaleza, es decir, la interacción con la naturaleza, que es otro de los temas que a mí me parecen importantes, que han sido apuntados aquí en diversos momentos, pero que creo que conviene sobre todo su presencia para redondear, y la atención a otros cines experimentales, como en el caso de lo que veremos y que tú nos presentarás dentro de un poquito sobre Masao Adachi, esta nueva película que tenemos aquí en primicia y creo que hay que agradecerle a Philippe, digamos, esta posibilidad. Únicamente una última cosa para acabar y es el primer día cuando comenzamos con la intervención de Xavi Antic, él señalaba de mi obsesión con un gesto en particular, que es el llamado signum arpocraticum, es decir, según la tradición, el gesto de silencio. Y el gesto de silencio que en la pintura clásica no es únicamente un sellar la boca, sino también un apuntar hacia el cielo, un apuntar hacia la esencia de lo divino y la idea de establecer una frontera. Quien pide silencio en realidad está guardando un contingente de conocimiento, ¿no? Quizá por eso en las irradiaciones dantescas de las que nos hablaba el doctor Raffaele Pinto es frecuente la idea o el digamos, prácticamente el flirteo con ese gesto de silencio. Yo creo que una de las cosas que se desprenden del conjunto de las intervenciones del Congreso es esta idea que ya está presente con Agamben, que está presente con Warburg, y es que el cine es un espacio de atención privilegiada al gesto como inscripción temporal. En eso se diferencia de la pintura. También Raffaele nos hablaba de la temporalidad del gesto. Todo es tiempo en el gesto. Y creo que eso es fundamentalmente de lo que nos habla el cine de Philippe Grandrieu. Es un cine que nace de esta idea del conocimiento salvaguardado delante del silencio. Por eso es un cine donde la palabra tiene una razón secundaria y donde lo principal es la energía, la dinámica y la convulsión de la música. Muchas gracias, Philippe, por estar aquí y te cedo la palabra de inmediato. Merci beaucoup de cette introduction très, très belle que tu as faite. Et avant de commencer, juste une pensée pour Dominique. J'avais vu la dernière fois à Las Palmas. On était dans le même jury avec Nicole aussi. Et la dernière fois que je l'ai vu, c'était là. On était allé boire des coups, pas mal d'ailleurs. Et on était allé danser, je me souviens. Il y avait beaucoup de joie chez lui aussi. Je l'ai peu connu, mais en tout cas, il y avait une joie intense et un désir très grand pour le cinéma. Et c'était un plaisir de l'avoir rencontré, même si peu de temps. Voilà. Et moi, je vais essayer de... Enfin, je n'ai pas trop préparé les choses. Hein, donc, mais là, le micro devant moi, là, ça m'a fait penser à une chose. Dans un film de Marker, c'est Le Fond de l'air rouge, on voit Fidel Castro qui est à Cuba et il parle comme ça avec ses micros. Et il est très expansif. Et, compañeros, la révolution!
Et il est là comme ça. Et ensuite, il va à Moscou. Et à Moscou, tous les micros sont fixes. Et il est là et il ne peut pas bouger les micros. Comme ça, impossible de bouger les micros. Mais je trouve que c'est ça l'histoire, au fond. C'est une anecdote, mais c'est une anecdote qui dit beaucoup de choses sur comment on est avec, avec le monde, quoi, au fond. Comment on est avec son corps et comment on est avec le monde. Et quand on tourne un film, je crois que c'est important que le plateau, enfin le lieu où on tourne, soit déjà d'une certaine façon porte le film. Et je crois que m'est arrivé juste une anecdote comme ça, qui est quand j'avais 23 ou 24 ans, c'est il y a quelques années, j'étais allé sur le plateau de Fellini qui tournait La Cité des Femmes à Cinecittà. Et on arrive devant le grand studio comme ça, et il y a une toute petite porte très étroite. Donc on pousse la porte et immédiatement on est dans un film de Fellini. Il était là avec son porte-voix. Il y avait les machinistes qui étaient devant les palmiers. Et on entend sa voix qui dit hey, « Marcello, Marcello !» Et un Mastroianni qui marche comme ça. « Motore !» Et un moteur qui se lance. « Azioni !» Et alors les machinistes bougent Voilà, et c'était le cinéma de Fellini qui était vivant, qui était actif, qui était déjà bien avant que les plans existent. Ce que j'essaye de dire, c'est que le geste cinématographique, c'est un geste qui engage la totalité. Et que, par exemple, quand on cadre et qu'on demande à un acteur de faire comme ça pour faire un raccord dans le champ, ce que j'ai vu tout à l'heure, avec un cinéaste français avec lequel j'ai du mal... qui s'appelle François Truffaut, mais bon, c'est une autre affaire. Voilà, il y a comme des choses qui sont dans un autre ordre, dans une autre logique, dans une autre vitesse. Et je crois que le cinéma, pour moi, c'est d'abord ce geste, c'est d'abord comment on entre dans le film, comment on plonge dans le film, et quels sont les premiers gestes qui nous conduisent au film. Ça, je crois que c'est une chose absolument essentielle et précieuse. Par exemple, quand j'ai commencé Sombre, les assistants me disaient « il ne faut surtout pas commencer par une scène trop dure, trop violente, il faut que l'équipe s'habitue ». Toutes sortes de raisons qui étaient effectivement des raisons sans doute très justes, mais qui ne me semblaient pas pertinentes pour le film, quoi. Donc j'ai commencé au contraire par une des scènes les plus dures du film à tourner. Parce que tout de suite, le film est là. Tout de suite, le film nous conduit, nous emmène, nous emporte. C'est lui qui nous permet de tracer le chemin. Et le geste cinématographique, je crois que c'est un geste qui demande d'une certaine manière de mettre en œuvre cette relation qu'on peut avoir avec le film et avec son corps, et à travers son corps, comment le film nous transporte, nous traverse, nous transfigure, nous arrache à nous-mêmes d'une certaine manière. Pour La Vie Nouvelle, c'était la première scène que j'ai tournée, c'est la scène de la coupe des cheveux. Parce que je pensais que c'était une scène importante aussi pour l'actrice et puis pour moi, pour savoir si d'une certaine façon, on allait pouvoir soutenir la charge du film, ce qu'allait demander le film. Et au fond, une fois que cette scène a eu lieu, d'une certaine manière, je savais que La Vie Nouvelle était... Je ne sais pas si j'allais le réussir ou pas le réussir, mais je savais que le film était devant moi, que j'allais pouvoir commencer à marcher à l'intérieur du film, à marcher avec lui, et à conduire les acteurs dans le film. Je crois que c'est une réalité extrêmement concrète, le geste cinématographique. Ce n'est pas du tout une chose abstraite, une chose théorique. C'est une chose qu'on vit et qu'on traverse réellement avec le corps. Et pour le début d'un lac, je pense au début de film, enfin au premier geste qu'on fait pour commencer le film, qui, moi, me semble être un moment très décisif dans le choix... dans le plan de travail de comment on commence un film. Et pour un lac, la première scène, c'est la scène où il coupe le bois, et on était dans une pente neigeuse et toute l'équipe était dans la neige enfoncée. Il y avait une sorte de difficulté physique du souffle aussi, du rythme du souffle, quoi, d'arriver sur le lieu de tournage, d'arriver essoufflé, et en étant essoufflé de commencer le film aussitôt, sans rien préparer au fond, sans rien organiser d'avance, simplement l'acteur est là, il y a ce souffle comme ça, on est tous très, très pris dans cette fatigue d'avoir monté
cette montagne et on tourne, voilà. Et forcément, quand on tourne à ce moment-là, on tourne dans une autre énergie, on tourne dans une autre possibilité, dans une autre disponibilité. Et je pense que chaque film demande un certain type de position, comme ça, à la fois de position psychique, de position mentale, de position peut-être théorique quand on a pensé le film, quand on l'a écrit, quand on l'a dessiné et décidé, mais aussi, au fond, une position physique, très incarnée, du corps. Enfin, c'est une chose... Comme je cadre mes films, j'ai la caméra sur l'épaule, je ne cadre pas à distance en regardant la télévision, j'ai vraiment l'œil dans le viseur. Donc j'ai un rapport très concret, très direct avec les acteurs. Je suis au milieu d'eux, je ne regarde pas la télévision, un combo pour voir si c'est bien cadré, s'il y a une ombre de perche ou je ne sais pas quoi. Donc c'est un rythme, c'est ça que je pense qui est vraiment très important pour moi à dire peut-être ici sur la question du geste. Ce n'est pas seulement la question du geste, effectivement, du geste cinématographique ou du geste qui est filmé, mais c'est aussi la question du geste qui permet de filmer, qui permet d'attraper ce réel-là que l'on cherche, ce réel qu'on désire. Et je pense, par exemple, à un texte que Nicole m'a fait connaître de Bacon, des entretiens de Bacon. Et c'est très beau, comment il dit comment la peinture est déjà par des tâches comme ça devant lui et porte une possibilité multiple de formes. Mais ça part de l'informe, ça part du chaos, ça part de quelque chose qui n'est pas encore dessiné, qui porte d'une certaine façon tous les possibles, enfin, qui porte tous les axes ou toutes les traces possibles. Et ensuite, il y a comme une décision qui se prend, mais qui est au-delà de soi, je crois, qui est une décision qui est dans les mains. En fait, je me disais qu'il y a peut-être deux gestes, que des gestes des mains. Je ne sais pas si un mouvement de tête, c'est un geste. Je pense que le geste, c'est la main. Et au fond, ce qui conduit Bacon à la forme et à la possibilité d'une représentation à la fois déformée ou monstrueuse, ou en tout cas inquiétée ou inquiète de l'homme, enfin de la forme humaine, justement, ce n'est pas une représentation qui calquerait cette forme. C'est une transfiguration de la forme. Parce que les mains, à un moment donné, sont dans une sorte d'autonomie instinctive. Je crois qu'il y a un instinct des mains, d'une certaine manière. Que les mains auraient comme une manière de pouvoir accéder à une partie des choses que la pensée ne permet pas d'approcher. Et au fond, quand on cadre avec ses mains, bien plus qu'avec son œil. On cadre avec ses mains, on cadre avec la façon dont on avance dans la scène, dont on s'approche d'un acteur, dont on s'éloigne de lui. C'est les mains qui nous conduisent. Et je pense que... Je pensais à ça. Il y a un plan d'ensemble d'un enfant qui avance à tâtons, comme ça, avec un bandeau sur les yeux. Je crois que ça doit être une sorte de représentation, pour moi, probablement assez juste de ce que c'est que de faire un film. C'est-à-dire qu'on l'a pensé, on l'a désiré, mais quand on le traverse et quand on est traversé par lui, on est comme un enfant à tâtons dans le noir et on avance dans le film, dans cette espèce de tâtonnement nerveux, inquiet, fébrile, plein de désirs, plein de joie, plein de force, mais en même temps avec des moments d'abattement terribles. Enfin, il y a une sorte de vitalité du geste cinématographique. Qui présuppose justement un rapport aux choses, un rapport au plateau, un rapport aux acteurs, un rapport aux techniciens, un rapport aux machines. Si on prend sa caméra, qu'on commence à lui souffler dessus pendant 10 minutes pour qu'il n'y ait pas de poils ou je ne sais pas quoi. Non, peut-être que prendre la caméra et tourner immédiatement quelque chose, c'est une possibilité tout autre, une possibilité immense, une possibilité qui ouvre un autre champ de perception, un autre champ d'appropriation des formes. Et au fond, c'est un peu ça que j'essaye de... Quand je réfléchissais à cette question de ce que j'allais pouvoir vous dire, quoi, sur ce que c'est pour moi le geste, en tout cas à quel niveau je l'entendais, j'ai aussi pensé à deux choses. Par exemple, sur ces histoires de mains, enfin, quand on voit... Karajan a été filmé par Clouzot. C'est intéressant d'ailleurs, parce que Karajan a filmé aussi Picasso.
Et donc le geste de Picasso, on voit bien le délié du trait, comment le trait s'achève pas, ou alors s'achève un peu trop vite, ou comment il porte une sorte de poids dans la main, mais en même temps d'énergie incroyable, comment dans le geste de sa main, il y a 50 ans de peinture, il y a 1000 ans de peinture, il y a toute la peinture, et en même temps il y a une sorte de solitude idiote qui est la sienne, voilà. Et en fait, c'est ce geste de la main, quoi, que Clouzot filme, c'est le geste qui est au-delà de Picasso, qui est une sorte de rapport extrêmement direct, instinctif, pas intelligent, justement, pas qui passe pas par l'intelligence. Bien sûr, ça passe par l'intelligence, mais au moment où ça a lieu, c'est plus l'intelligence. C'est l'instinct, c'est quelque chose qui impose son ordre, qui impose sa loi, qui impose sa vérité. Et je pensais à ce geste de Picasso, et je pensais aussi au geste de Carian. Quand il dirige la quatrième de Schumann, ça a été filmé par Clouzot. C'est incroyable, il a les yeux clos, il n'y a plus de partition. Il y a juste ses mains comme ça, qui sont non seulement dans une sorte de rythme de la mesure, mais qui animent la musique. C'est-à-dire que les mains animent la musique. S'il n'y avait pas les mains, la musique ne pourrait pas exister. S'il n'y avait pas les mains de Carian, ou les mains d'un chef d'orchestre, ou les mains, pas seulement des musiciens, mais je pense qu'il y a quelque chose là sur les mains qui me semble absolument incroyable. C'est pas pour rien d'ailleurs que la peinture s'est autant intéressée aux mains, quand on voit les mains du Greco qui n'en finissent pas de finir, ou qui sont à peine achevées, ou au contraire des mains parfaitement dessinées, parfaitement veinées. Voilà, voilà, c'était des choses comme ça qui m'ont traversé l'esprit et qui m'amènent à penser que peut-être justement le geste cinématographique demande à un moment donné une sorte de déplacement de soi, enfin, comme si d'un côté on avait pensé le film, on l'avait construit, on l'avait préparé, on l'avait casté, on l'avait repéré, on l'avait mis sous forme de plan de travail avec les assistants, on avait fait les essais sur la lumière, sur la caméra, sur le son, tout ça avait eu lieu bien évidemment, mais qu'au moment où on tourne, non seulement on est dans l'oubli de tout ce qui a été pensé, mais je pense qu'on accède à une autre part de soi, à une part dont parle très bien Bacon justement, à une part instinctive, de matter of fact, la sensation. C'est-à-dire que c'est la sensation qui nous dévaste, qui nous emporte, qui nous transporte et qui nous place face à l'image que l'on tourne, face aux acteurs, face à la scène, qui nous place dans le film. Il y a quelque chose de définitif avec ça, je crois. Ça peut sembler un peu romantique, mais ça ne l'est pas, en tout cas, dans ce que moi j'éprouve quand je tourne, ça ne l'est pas du tout. C'est une chose très concrète, très incarnée. Et puis je pensais aussi à autre chose par rapport à cette histoire de mains, de gestes, de relations entre l'intelligence et l'instinct. Je pensais à des films que j'ai vus, notamment un film assez récent, enfin que j'ai vu assez récemment, de Jenny Kian, je ne sais pas si vous avez vu ce film, s'appelle, c'est sur les insectes, Animal Criminali, ou quelque chose comme ça. Voilà, pardon pour le titre. Où on voit des insectes qui sont en train de se combattre. Donc, les hannetons, la grenouille, comme ça, qui prend une forme incroyable, qui se met à gonfler, à être sur ses pattes. Ou au contraire, l'avancée et le recul comme ça d'une sorte de scarabée. C'est-à-dire que les insectes sont pris dans une pure et absolue nécessité de ce qu'ils font. Ils n'ont pas de conscience, enfin, a priori, quoique ça puisse être plus compliqué, mais ils sont entièrement pris dans leur mouvement. C'est un geste qui les définit, qui les occupe, un geste qui les, comment dire, ils sont tenus par lui d'une certaine façon. Et je pense qu'à un moment donné, quand on tourne, enfin je crois, moi j'aimerais bien y arriver encore plus, bien davantage que je n'ai pu le faire jusqu'à présent, j'aimerais arriver à être comme ça, quoi, comme une sorte d'être dans une telle nécessité de ce qui doit avoir lieu que c'est ce qui m'y conduit,
C'est seulement cette espèce de relation extrêmement rapide et directe à une vérité instinctive. Voilà, c'est ces choses-là qui me semblent en tout cas importantes, quoi. Et que le geste cinématographique, on ne fait pas du tout le même film. Si... On peut faire des films magnifiques, bien évidemment. Ozu, il a fait des films somptueux. Bresson, n'en parlons pas. Mais chacun, je pense, a un geste, quoi. Un geste qui lui appartient, un geste qui est le sien. Par exemple, moi j'ai eu l'occasion un peu de travailler avec Raoul Ruiz, et je voyais bien que Raoul, ce qu'il aimait, c'était les lentilles, il mettait des lentilles devant l'objectif, et des split screens. Donc, il était dans un certain type de geste qu'il avait aussi avec les acteurs, dans un certain type de distance, de relation, d'écart. Je crois que cette question-là, elle est très importante, cette question de la distance et de l'écart. Moi, je n'ai pas de distance quand je tourne, je suis englouti dans la scène, je suis envahi par la scène, je suis envahi par les acteurs, je suis ébloui. C'est un éblouissement. Et, par exemple, dans La Vie Nouvelle, quand je tournais, des moments, quand on tourne, on a le battement 35 mm, on a le battement de la croix de Malte, comme ça, pas de la croix de Malte, mais du... Dans l'obturateur, il y a ce battement à 25 images secondes. Quoi. Si vous mettez votre doigt devant votre œil, vous faites ça, vous voyez le battement. Il y a une espèce de... Et en fait, je me suis rendu compte que si je diminuais la vitesse du battement, ma perception devenait tout autre et mon désir augmentait à certains moments, sur certaines scènes. Donc il y a des moments où j'ai varié le moteur. J'avais une caméra qui me permettait de varier le moteur. Donc je tournais à parfois 7 images secondes. Et en fait, ce rythme qui obturait mon regard me donnait accès à une autre partie de la réalité, à une autre partie du réel plutôt, à une autre partie du film que je ne connaissais pas, que tout d'un coup, qui m'était donné, que j'avais la possibilité de parcourir d'une certaine manière, dans laquelle je pouvais m'engager, dans laquelle je pouvais avancer. Mais c'est concret, c'est parce que je voyais ça. Si je n'avais pas vu ça, je ne pouvais pas aller à cet endroit-là. Et je pense que c'est ça. Quand Bacon il voit ses taches, là, il est là, il avait un peu trop picolé, probablement. Ah, putain, il y a une bouche possible. Mais une bouche, ça peut être un désert aussi, ou ça peut être un bout de joue, ou ça peut être rien, ou une surface. Voilà. La forme, elle est toujours... Elle provient toujours d'un champ chaotique, d'un champ menacé justement par ce qui est informe, quoi. Enfin, il n'y a peut-être pas de menace plus grande que l'informe. Je crois que c'est Bataille qui parle de ça très bien. Et je pense que, en tout cas, le geste, pour moi, le geste du cinéma, le geste cinématographique, c'est un geste qui prend en charge l'ensemble du processus dans lequel on est placé et dans lequel on se place pour faire le film. Et le corps, c'est définitivement la vraie question, quoi. Il n'y en a probablement, à mon avis, pas d'autre, quoi. Voilà, donc c'était autour de ces réflexions-là que je m'étais dit que j'allais vous dire quelques mots, de manière un peu trop, peut-être. Podemos abrir un si on peut, on peut se parler, bien sûr. Si tenéis alguna pregunta, yo tengo alguna que hacer, pero, en fin... abriría en primer lugar la posibilidad de que tenemos aquí a Philippe para hacerle alguna pregunta, sobre todo teniendo en cuenta que a continuación vamos a ver su última producción. Yo, mientras nos pensamos si hay alguna pregunta, sí que quería hacerte una pregunta. Sé que no tienes el traductor, me parece, pero sí podemos ponerle... pero bueno, ¿cómo trouvez vos comédiens? C'est un long chemin pour trouver les acteurs chaque fois, enfin pour les trois films, c'est chaque fois des histoires un peu différentes. Pour un lac, je voulais des acteurs qui... Le film est en français, le film est français, aussi dans sa nationalité, aussi dans son financement. Au CNC, on a d'argent que si c'est un film en langue française. Entre autres, mais donc c'est un film qui a été défini comme étant français, et c'est un film dans lequel moi j'avais envie que les acteurs n'arrivent pas à parler correctement la langue
enfin, l'articule mal, comme si, une espèce de difficulté, de ralentissement de la langue, quoi, comme si leur, s'il y avait un épaississement de la langue, du français dans leur bouche. Et donc j'ai cherché des acteurs un peu partout. J'ai cherché des acteurs en Finlande, en Suède, en Norvège. Et puis, en fait, j'avais envie d'acteurs russes, donc j'ai trouvé les deux acteurs là, à Moscou, et puis des acteurs tchèques aussi. Et donc, en fait, pour chaque film, c'est des chemins différents, hein, qui sont pris pour trouver les acteurs ou pour trouver les décors. Et pour moi, c'est une manière de m'avancer dans le film, de m'approcher du film, tout ce travail-là de préparation sur le casting et sur les repérages, quoi. Voilà, en tout cas, quand je cherche des acteurs, je cherche des acteurs avec qui je sais et je sens que je vais pouvoir marcher. Je crois que c'est Saint-Augustin qui parle de ça, de marcher dans l'image, je crois. C'est marcher dans l'image, voilà, marcher dans le film avec eux, quoi, m'avancer dans le film avec eux, me donner la possibilité à la fois d'avoir une connaissance la plus intime possible du film, mais en même temps me donner la possibilité, d'une certaine façon, de ne plus rien savoir, enfin de ne pas savoir le film, de ne pas le connaître, de ne pas me dire tiens, je tourne aujourd'hui l'intérieur cuisine, la scène 44 avec machin et machin, alors il va y avoir, je sais pas, les plans, les raccords, les tout ça n'a pas de sens, enfin depuis bien longtemps, heureusement, ça n'a plus de sens, mais de se donner la possibilité d'interroger le film encore au moment où on le tourne. Raoul Ruiz, il disait une chose très très belle là-dessus, il disait que le tournage, c'est la critique du scénario. Je trouve ça absolument magnifique comme idée, quoi. Il y a le scénario, on l'a pensé, on l'a construit, mais le tournage, c'est tout à fait autre chose, c'est d'autres questions. C'est des questions, en tout cas, en ce qui me concerne, qui passent bien directement par le corps, par la fatigue, par l'énergie, par le désir, par des moments de grande exaltation, de grande frénésie, ou au contraire des moments de plus effondrés. C'est une espèce de météorologie comme ça, et de vitesse aussi, ces questions-là, quoi. Donc le geste, si je peux parler de geste, pour moi la question du geste, elle est vraiment sur, par exemple, je sais pas, ça me vient. Par exemple, comment on fait pour passer du plan d'un acteur au plan d'un figurant? C'est une question importante, ça. Par exemple, dans un film absolument effrayant de Claude Berry, qui s'appelle Germinal, voilà, on passe de la tête de Depardieu à la tête d'un mineur. Ça, c'est quelque chose de vraiment important. Parce que Depardieu, c'est Armédia, c'est l'argent, c'est le financement du film, c'est les agents, c'est toute l'industrie du cinéma, avec tout ce que ça comporte. De force, de puissance, d'intérêt aussi, c'est pas du tout négligeable, hein, et d'argent. Et puis on passe dans le même plan, on coupe pas, on passe de son visage au visage du mineur qui est là, qui a travaillé 40 ans dans la mine et qui est payé comme un figurant, c'est-à-dire peut-être 2000 fois moins que le visage de Depardieu. Or, la vérité du film, elle est sur le visage du mineur, c'est-à-dire la vérité profonde, la plus-value. La plus-value, elle est là, elle est dans ce que ça serait, dans ce qui serait donné. Voilà un geste cinématographique. Alors, ce geste est absolument, pour moi, abject, c'est-à-dire qu'il y a une abjection à cet endroit-là. C'est-à-dire que la question de la moralité du film ou la question d'un geste moral, c'est pas au niveau de la que l'histoire serait morale ou pas morale, c'est au niveau du geste cinématographique qui le porte. C'est des questions qui sont des questions très importantes, je crois. C'est surtout si on veut tourner dans des endroits qui sont parfois des endroits difficiles, ou des endroits où on se dit, mais comment je peux amener un acteur à cet endroit-là? Comment je peux faire pour aller de l'acteur, même au paysage. Comment il fait BHL pour aller en Libye se faire filmer avec sa chemise ouverte devant les tanks? C'est juste une folie. C'est juste comment juste c'est possible, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui met en jeu, qu'est-ce qui met en œuvre, qu'est-ce qui met en scène? Quelle dérision, quelle, de quoi s'agit-il? Et le cinéma, il est à ces endroits-là. C'est-à-dire, il est
à la nécessité d'avoir un point de vue extrêmement éthique et extrêmement tranchant, et ça définit la nature d'un geste cinématographique, je crois, enfin il me semble. Voilà, je pensais à BHL parce qu'on en a beaucoup parlé aujourd'hui, entre nous, mais il y en a d'autres. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí, allí hay una pregunta. Philippe. Ah, merci. Philippe, antes has hablado de que durante el rodaje, ¿no? Je n'entends pas, je vous entends vous, mais j'entends. Ah, voilà, je vous entends. Numéro 2. Numéro 2. C'est un film de Godard. Numéro 2. Sí. Antes has hablado que durante. Durante el rodaje estás muy cerca de los actores en el momento de filmar, ¿no? Me gustaría saber cuál es tu relación con ellos y cómo ellos se acostumbran, digamos, a que estés tan cerca en el momento, durante el rodaje, ¿no? ¿Cómo lo viven ellos y cómo lo vives tú? Porque me imagino que quizá no todos los actores están acostumbrados a que el cineasta esté tan cerca de ellos durante el rodaje, ¿no? Que no sea una experiencia tan física. Hmm. Je pense qu'ils s'habituent vite, probablement, parce que quand je choisis les acteurs, je pense que c'est... Je choisis les acteurs aussi sur leur capacité, comment dire, d'une certaine façon, à soutenir la charge du film, à soutenir ce que le film va leur demander d'engager, eux, avec eux-mêmes. Et en fait, je leur parle relativement peu aux acteurs. Je parle peu des personnages, très rapidement. C'est pas tellement ça qui m'importe, mais je leur montre certaines choses. Par exemple, pour Sombre, pour Jean, je lui avais montré deux choses. Je lui avais montré le Gréco pour les regards vers le ciel, espèce de les yeux légèrement révulsés pour que l'œil soit blanc. Et une manière comme ça de regarder les choses, comme dans une sorte d'éblouissement. Et je lui avais montré aussi les dessins pornographiques de Rodin qui sont absolument somptueux. 4000 dessins il a fait. Il y avait une exposition récemment à Paris, on en voyait 300 ou 400, incroyable. Presque tous le même format, une folie furieuse, il n'arrête pas de dessiner. Une obsession complète pour le corps des femmes, dans une sorte de rage incroyable. Ça, c'est un geste, voilà. Il n'est pas là, il n'est pas comptable de son ressentiment. Il est emporté dans ce qui le tire en avant, quoi. Et au fond, les acteurs, c'est ça. Pour moi, les acteurs, c'est la possibilité que j'ai d'entrer dans le film avec eux, quoi. Donc, ils entendent ça, à mon avis, assez vite. Et le fait que je sois si près d'eux... Je crois que d'une certaine manière, je ne sais pas, il faudrait leur demander, mais je n'ai pas le sentiment que ça les gêne ou que ça les dérange. Au contraire, je pense qu'ils ont le sentiment qu'on est solidaire du film, qu'on l'entend, qu'on essaie de l'entendre, qu'on essaie de se laisser traverser par lui. Pour Sombre, moi, c'est Marc qui m'a ouvert le film, c'est l'acteur qui m'a ouvert le film, celui qui jouait Jean. J'étais derrière lui, d'ailleurs, j'ai presque à la fin, je filmais Marc tout le temps. De dos, comme ça, il avançait, il marchait. Il marchait dans le film, il était avec moi dans le film était là, le film était vivant. C'est incroyable cette impression que le film, il est... Quand on porte le film à l'intérieur de soi avec beaucoup de vérité, en tout cas la plus grande vérité possible, le film, il est partout après. Partout, partout. On sort, c'est le film, Le film est là constamment, quoi. D'ailleurs, on peut filmer constamment. Pour La Vie Nouvelle, j'ai filmé constamment. Je n'arrêtais pas de filmer. Je filmais en 35 mm, après je filmais en DV. Je filmais quasiment tout le temps, non-stop. Et voilà. Mais parce que le film, c'est comme une sorte de matière qui irrigue. Donc, je pense que les acteurs, ils sont irrigués aussi à un moment donné par le film. Ils le portent aussi en eux. Le film les traverse, donc... C'est des relations très intenses que j'ai avec les acteurs, très fortes, très, très solidaires, très, très amoureuses au sens fort du terme, très érotiques, très, très corporelles, très, très... C'est pas du tout des relations distantes ou des relations de jugement. Je les juge pas, les acteurs. Je leur dis pas c'est très bien, c'est pas bien, t'es pas bon, t'es très bon, je sais pas. C'est pas des critères... Si c'est bon ou pas bon, j'arrive même pas à penser les choses comme ça, même pour les techniciens. Et les techniciens, ils comprennent pas ça au début. Je leur dis, mais
Par exemple, le son pour son, je lui disais de mettre le micro dans une bouteille. Mais il n'a jamais voulu mettre un micro dans une bouteille. Jamais. Il me disait, non, parce qu'il avait peur, le corporatisme, je ne sais pas quoi, le syndicat. Mais non, mais ton son, il est pourri. C'est accablant. Et ça, c'est ce qu'on enseigne dans les écoles. À la FEMIS, on enseigne ça. On enseigne comment être un bon ingénieur du son, comment être un bon monteur, comment être un bon scénariste, comment être un bon producteur, comment être un bon cinéaste. Le cinéma, il est tellement ailleurs, quoi. Il est tellement ailleurs. Et en fait, les acteurs, c'est complètement central, parce que ce sont eux, c'est par eux, c'est avec eux que le film m'est donné, que le film... C'est un don, hein. Enfin, bon, c'est quelque chose qui vous... Ça vous traverse, quoi. Si on pouvait faire autre chose, parfois, peut-être qu'on pourrait... Il faudrait faire autre chose, mais... Voilà, c'est... Donc, pour répondre à la question sur les acteurs, c'est cette relation d'une très, très grande proximité, d'une très grande tension. Voilà. Tenemos ahí otra pregunta y ahí otra luego. Ahí había una antes, me parece, o me equivoco. Has planteado la idea de... del gesto con esta cuestión de la distancia, ¿no? de acercarte más a los actores, de alejarte más, que es uno de los elementos, creo yo, fundamentales de la puesta en escena, ¿no? De elegir una buena distancia. Pero me parece que también el gesto se trabaja en la... Bueno, intuyo que debe haber un trabajo en la sala de montaje. No sé si puedes hablar un poco de cómo es tu trabajo en la sala de montaje y si realmente... ¿En la sala de montaje crees que se pueden trabajar estos gestos, que nazcan gestos que quizás no estaban tan presentes en el momento del rodaje? ¿O crees que todo debe pasar en el momento del rodaje y lo que ya no pase ahí en la sala de montaje ya no puedes trabajarlo, reinterpretarlo? Non, c'est une question très, très intéressante, cette question du montage. Elle est double, parce que ce que vous venez de dire juste à la fin, la dernière partie de votre question, est-ce que si ça n'a pas été dans le tournage, ça ne se passe pas au montage? Je pense que de toute façon, c'est définitivement la force et la puissance et la beauté des roches. C'est-à-dire que les roches, c'est les roches, on ne changera pas après. C'est là, c'est fini, c'est inexorablement là, quoi. Et ça, c'est assez beau, parce qu'on peut avoir fait des roches absolument somptueuses, magnifiques. On commence à les monter, il n'y a rien du tout, ça ne tient pas, ça tombe, c'est idiot, on s'ennuie, il n'y a pas de rythme. Donc, il y a une sorte de vérité profonde des roches qui, de toute façon, c'est contenu dans les roches, c'est contenu dans ce qu'on a tourné. Et c'est très étrange, parce que parfois, on tourne, et on a le sentiment qu'il y a une telle vérité au moment où on tourne, et parfois, on est surpris soi-même. C'est-à-dire que ce qu'on voit, finalement... révèle autre chose, c'est la puissance de la caméra, c'est là où Epstein, c'est magnifique, quoi. C'est-à-dire que, voilà, il y a quelque chose dans l'appareil, on appelait ça l'appareil avant, moi j'aimais bien quand on appelait ça l'appareil, où c'est qu'on place l'appareil. Alors on plaçait l'appareil avec des fils à plomb avant, parce que c'était tellement lourd, et on décidait de la focale, alors, on était là dans les plateaux avec le fil à plomb, paf, 40 mm, tac, tac, paf, ça c'était savoir-faire, comme ça, boum, fil à plomb. Le plateau désert, c'est magnifique. Non, il n'y a rien du tout. Et on marche avec un fil à plomb. C'est qui faisait ça? Oui. Un cinéaste américain incroyable qui plaçait tous les plans comme ça avec son fil à plomb et il donnait la focale. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que les roches, de toute façon, les roches, on ne peut pas... C'est les roches. Mais après, le montage, c'est un autre geste. Vous avez tout à fait raison. C'est un autre geste. Et je pense que c'est aussi un autre rythme. D'abord, c'est une solitude avec son film et avec la personne avec qui on monte. C'est une forme comme ça de réappropriation de la matière. C'est parfois très violent, on passe par des moments de désespoir très grands, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, c'est mauvais, c'est pas possible, comment j'ai pu faire une chose aussi? Et puis par moments, au contraire, on est exalté, on sent que tout d'un coup, si on coupe tout ça, le film prend une force incroyable, si on déplace les choses. Il y a une anecdote très belle du miroir de Tarkovsky, que vous la connaissez sans doute, c'est qu'il a monté son film six fois. Six fois, c'est un désastre complet, une ruine absolue, ça ne tient pas, c'est rien du tout. Et à l'époque, il montait en 35, c'est-à-dire qu'il fallait couper, machin, retirer les trucs pour avoir les positifs, pour pas que ça soit complètement coupé, rayé. Donc c'est un boulot titanesque, il le monte six fois, c'est juste délirant, quoi. Et en fait, la septième fois,
il change tout, l'ordre des scènes, il réduit des choses, il place le son autrement, etc. Et le film est là, le miroir est là, qui est quand même, je pense, un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma. Quoi. C'est-à-dire que la ruine et le chef-d'œuvre, enfin la ruine et la chose la plus accomplie, c'est exactement au même endroit, c'est situé au même point. Et si vous voulez pas avoir, si vous voulez pas vous affronter à la possibilité de la ruine, alors vous n'aurez jamais la possibilité de vous approcher d'une chose vraiment forte pour vous-même, quoi. C'est ça, c'est vraiment bien que ça demande d'être si proche du désastre. Et le montage, finalement, le geste qu'on a au montage est un geste d'une autre nature, mais qui continue, qui poursuit quelque chose sur le rythme du film. En tout cas, sur le rythme du film. C'est pas le même rythme dans la salle, bien sûr, que sur le plateau. C'est une autre organisation. On y va le matin, on rentre le soir. Enfin, c'est une autre vie. Un plateau, quand on tourne un film, on est totalement isolé. C'est comme quoi, si on partait sur la Lune, quoi. On est coupé de tout. Le monde n'existe plus. On a l'impression que tout est possible. C'est juste un vertige incroyable, quoi. C'est une exaltation folle de tourner un film. C'est bien pour ça qu'on veut continuer à en faire, parce que c'est tellement pénible de vouloir faire des films avec toutes les histoires de financement auxquelles on s'affronte. Mais au fond, il y a un tel plaisir à un moment donné, il y a une telle jouissance, voilà, pour dire peut-être le mot le plus exact, quoi, au moment où on tourne, quoi. Mais donc le montage est un autre type de geste, mais c'est un geste aussi très important où on peut aussi continuer à fouiller comme ça la matière cinématographique. Parfois, c'est intéressant de monter sans trop savoir, de monter très vite. On monte de plus en plus vite avec la monteuse avec qui je travaille depuis une vingtaine d'années, même plus maintenant. On monte, paf, 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 paf. On met trois trucs, hop, tac. Voilà, c'est une possibilité pour une scène. C'est plutôt que de se dire, ah, attention, machin, est-ce que j'essaye ça? Plutôt ce plan-là, plutôt celui-là. Est-ce que cette prise est meilleure? Ah, tu crois qu'il est bien, là? Oh, peut-être c'était mieux. Alors, on va essayer. Ah, ben non. Voilà, quoi. La besogne, c'est accablant, la besogne. Et alors qu'on est dans, on a la matière, hop, tac, on prend un truc, on regarde, tac, tac, ça commence à prendre, on coupe ici, on réduit là, et puis tout d'un coup, le film se place, quoi. C'est concret aussi, c'est physique, c'est aussi très corporel, quoi. Le film se place, et on se place avec lui. C'est un autre type de geste, mais c'est un geste très important, bien sûr. Yo voy a hacer una pregunta, pero tenemos abierto más. En ese lugar, en esa cristalización de la película, ¿no? En el montaje, tal como preguntaba Alan y le respondías ahora, la música, el ritmo del que estás hablando, digamos, todo el tiempo, porque creo que en tus películas es fundamental, ¿en qué fase se entra? Es decir, ¿está presente desde el principio? ¿En algún caso entra al final? Pienso en ciertas secuencias de la Vie Nouvelle en particular, ¿no? Pues el factor de la danza, de la coreografía, prácticamente como uno de los elementos centrales de la Vie Nouvelle. ¿En qué momento entra? ¿O está presente todo el tiempo o aparece en algún caso en el montaje? C'est différent pour chaque film, mais pour la Vie Nouvelle, en tout cas, j'avais donné à Marc Hurtado et à Eric le script, ils avaient commencé à travailler sur des bouts de son, des nappes sonores comme ça, et en fait je tournais avec le son sur le plateau, parce que comme je fais le son et l'image séparément, je travaille pas avec le son direct ou très peu, donc je fais l'image d'abord, et quand je fais l'image, généralement il y a beaucoup de son sur le plateau, et là pour la Vie Nouvelle il y avait entre autres la musique de Marc Hurtado qui a imprégné comme ça les plans, les séquences. Et puis ensuite, quand on a travaillé le montage, ils sont venus pendant une quinzaine de jours, il y a eu des allers-retours, ils étaient dans une salle juste à côté, et puis il y avait des allers-retours entre le montage et leur musique, une espèce de perméabilité comme ça de leur son. Et c'est ce qui a conduit comme ça à la musique de la Vie Nouvelle. Pour un lac, c'était différent parce que Marc, il entendait tout le temps Alan Vega sur la radio de la voiture, comme on a fait beaucoup de kilomètres, donc il y avait Alan Vega tout le temps, et un soir j'ai tourné une scène avec Alan Vega, enfin avec la musique d'Alan Vega, et puis quand le film était terminé, c'était tellement évident qu'il fallait que ce soit Alan Vega qui fasse la musique, donc je lui ai envoyé une cassette, et il m'a dit,
OK. Et alors ça, c'était formidable. À New York, moi, je croyais que les Américains, ils avaient des trucs incroyables, quoi. Les Américains, les Américains. Ah, mais les Américains, c'est vrai, ça me fait penser à un jour de fête, non? À l'américaine. Ça, c'est un geste incroyable, non? À l'américaine. Voilà. Donc, et alors, ouais. Et je ne sais plus du tout où j'en étais, mais bon, c'était sur les Américains. Et oui, et voilà. Et donc j'arrive chez Alan Vega à New York. Et en fait, il avait un écran de télé noir et blanc pourri. Il fallait taper dessus parce que l'image était complètement zébrée. Je lui dis, mais t'as regardé le film comme ça? Il me dit, ouais, top. Je lui dis, bon. Et alors, il a fait la musique, mais c'était incroyable. Il était comme ça avec son coude et tout. Je me dis, mais c'est pas possible, il va pas faire la musique. Il faisait la musique, et puis après, il a, avec sa voix, hein. Ah, c'était vraiment top, quoi. C'est quelqu'un d'incroyable, Alan Vega. Malgré que Libération l'ait traité de gros patapouf, c'est quand même un mec génial, quoi. Donc, oui, la musique, c'est super important. C'est bien sûr que ça irrigue les films, mais pas seulement la musique, c'est le son, quoi. C'est de manière globale, c'est le son. Parce que parfois aussi, sur le plateau, je mets du son, mais du son qui n'est pas de la musique, qui est du son. Par exemple, pour le premier meurtre dans Sombre, c'était un son, mais assourdissant, on ne pouvait même pas s'entendre, quoi. On ne pouvait même pas se parler. Je pense que chacun a son rythme. On parlait de rythme, justement. Je crois que c'est très important, le rythme. Chacun a son rythme. C'est un rythme intérieur, c'est une pulsation, c'est un rythme du cœur, c'est un rythme de la marche, c'est un rythme du... C'est une démarche, quoi. C'est une façon de... Voilà, c'est une façon d'être aux choses, d'être au monde, quoi. Donc chacun, effectivement, a son rythme. Et moi, je pense que c'est important que le plateau... C'est pour ça que je reviens au début un peu de cette petite intervention. C'est que je pense que le plateau, c'est très important que le plateau soit rythmé. On arrive parfois sur des plateaux de cinéma, mais c'est la mort. On n'a qu'une envie, c'est de se pendre, quoi. Ils sont là et ils ne savent pas ce qu'ils foutent. Ils mettent 3 heures pour installer une lumière, des rideaux partout. On ne peut plus bouger, il y a des ombres partout. Voilà, donc c'est des histoires de rythme, quoi. Je pense que on n'accède pas à un film, on ne fait pas le même film selon le rythme que l'on construit pour que le film soit possible ou pas. On peut faire des films magnifiques dans un tout autre rythme, mais il faut que ce rythme-là, il soit vrai, il soit porté, il soit vécu, il soit inscrit à l'intérieur du corps du cinéaste, je crois. Tenemos más preguntas? No, en primer lugar, quiero señalar cómo en realidad, o sea, estoy absolutamente de acuerdo, es decir, que yo creo que tus películas, más que hablar de música, es necesario hablar de diseño de sonido, y en ese sentido son, yo creo que han abierto brechas, han abierto posibilidades, ¿no? En el campo del diseño de sonido, todas tus películas están extremadamente trabajadas desde ese punto de vista. Hablabas de las manos todo el tiempo, de la idea del trabajo de las manos, que yo creo que es una constante en un cierto tipo de cine, sobre todo el cine que viene del ámbito experimental, ¿no? Es decir, el trabajo, la inscripción de la mano del propio cineasta y la idea del trabajo de las manos, ¿no? Por cierto, de decir como puro inciso que se da cuando uno está aquí en la mesa una cuestión muy graciosa en relación a la gestualidad y a las manos es... cómo pues las intérpretes mueven las manos prácticamente en paralelo a Philippe, ¿no? Y se va viendo realmente cómo trasciende verdaderamente, las gestualidades trascienden completamente los idiomas, porque ve uno el mismo gesto aquí que allí, ¿no? Yo creo que eso es un fenómeno bien, bien curioso. En relación a la mano, a la idea de la mano, sobre todo en la inscripción en el cine experimental, yo creo que sería pues, importante sobre todo... un poco en relación a la película que vamos a ver ahora, es decir, ¿qué es y en qué proyecto se inscribe? Que es una pregunta que te lanzo a ti y a Nicole también en cierta manera, ¿no? Es decir, ¿forma parte de un conjunto más amplio este trabajo sobre Adachi? Y un poco yo creo que sería muy interesante que nos explicases qué es y cómo, digamos, surge esta atención a toda una serie de cineastas pues como Adachi, que aquí... Por ejemplo, es un cineasta bastante desconocido o muy poco visto. En fait, l'histoire du film, c'est une histoire collective avec Nicole, parce que un soir, on était dans un restaurant manger un couscous.
Chomard, c'est un bon restaurant pour les couscous à Paris, je vous recommande. Et voilà, puis on parlait de cinéma pour changer, et puis à un moment donné, je sais pas, moi je te disais, j'étais en plein dans Dostoïevski à ce moment-là, et j'adorais cette idée que la beauté sauve le monde, ou la beauté pourra sauver le monde, et Nicole me dit, non, mais il se peut que la beauté ait renforcé notre résolution. Et elle cite cette phrase, donc du film d'Adachi. Et à ce moment-là, voilà, je crois que c'est toi qui as eu l'idée, hein, Nicole, de se dire, mais pourquoi on ne ferait pas un film sur Adachi et pourquoi pas faire des films sur des cinéastes qui sont des cinéastes en rupture, finalement, des cinéastes au combat, des cinéastes au combat politiquement parlant, mais pas seulement politiquement parlant, des cinéastes au combat aussi esthétiquement parlant, qui sont au combat aussi avec eux-mêmes. Et il se trouve que 3 ans ou 4 ans avant, j'avais rencontré Adachi à Tokyo, où on m'avait montré mes films. Et Adachi avait vu La Vie Nouvelle, je crois qu'il avait été très ému par La Vie Nouvelle, après on avait dîné ensemble, il adorait le film, moi malheureusement je ne connaissais pas son cinéma, et donc ça a commencé comme ça, et on a pris la décision donc, avec Nicole, la productrice Annick Lemonnier du film, et on a fait une petite société de production qui s'appelle Epileptique, qui je pense est bien nommée. Et voilà, et on a fait le film. Donc moi je suis parti à Tokyo, on n'avait vraiment pas d'argent, ça c'était aussi une chose intéressante sur le geste, parce qu'on n'a pas eu du tout d'argent, on a eu 800 euros pour faire le film. Personne n'a voulu nous donner d'argent, le CNC disait quoi, mais qu'est-ce que c'est que ce film, on ne comprend pas ce que vous voulez faire, mais qu'est-ce que c'est que les images que vous voulez tourner, comme s'ils voulaient savoir ce qu'on allait tourner avant de les tourner. C'est-à-dire que ça, c'est un truc incroyable des documentaires. Il faut écrire des pages et des pages sur ce qu'on va tourner, quoi. C'est quand même aberrant. Moi, dans Adachi, je ne savais pas que j'allais rencontrer ce type dans le café. Je ne savais pas que j'allais rencontrer sa petite fille dans le parc. Je ne savais pas. Je savais. Qu'est-ce que je savais quand je suis parti pour tourner Adachi? Je savais juste une chose, c'est que je voulais tourner à Tokyo sur une autoroute parce que ça me faisait penser à Solaris de Tarkovsky et que j'aimais ce son sur l'autoroute de Tokyo, et d'ailleurs dans le film à un moment donné j'ai mixé le son de Solaris très, très derrière comme ça, mais donc je savais peu de choses, je connaissais Adachi, j'avais vu ses films absolument somptueux, je savais son histoire par Nicole, c'est une histoire incroyable, c'est l'histoire d'un homme qui a aujourd'hui 72 ans, qui dans les années 60 est engagé politiquement dans l'armée rouge japonaise, dans les mouvements d'extrême gauche japonais, qui ensuite part au Liban, combat avec les fédéines, s'engage politiquement avec les armes, enfin, c'est un destin juste incroyable, c'est un cinéaste incroyable qui n'a aucun ressentiment, aucun regret, qui n'est pas en train de dire oh, tous ces films que je n'ai pas pu faire pendant tout ce temps-là, ou je ne sais pas quoi, je n'ai pas pu devenir un grand metteur en scène comme Wakamatsu, parce que Wakamatsu il croit qu'il est un grand metteur en scène avec Adachi, c'est assez drôle de les voir tous les deux, parce qu'en fait ils se connaissent très bien et Wakamatsu est très impressionné par Adachi, par son engagement politique, quoi. Voilà, donc c'est un homme incroyable, c'est un homme. Voilà, c'est un homme. Un homme vivant, qui aime boire, qui fume comme un pompier, qui est là avec sa petite fille, dans le parc, avec sa femme. Et puis ça commence comme ça. Et le film, il s'est fait dans une espèce de simplicité, je dirais, parce que j'ai tourné 4 jours avec lui, on se retrouvait de temps en temps, je tournais. Et puis j'avais pas une idée du film, mais j'avançais comme ça dans ces 4 journées avec Tarkovsky, qui était vraiment Tarkovsky, c'est vraiment, ça a été très important quoi pour moi, Tarkovsky, vraiment pour plein de cinéastes, hein, mais je crois que c'est quelqu'un, j'arrête pas de me sentir pas proche de lui, ça serait bien trop présomptueux, mais dans son, je sais pas, dans sa voix, je sais pas comment dire, dans sa voix, dans ses gestes justement, dans la manière dont les choses tombent sans raison, résonnent dans la chute et les enfants qui regardent l'incendie de la maison. Je ne sais pas, c'est quand même quelque chose de juste somptueux, quoi. Ça dépasse le cinéma, c'est pas, ça dépasse l'idée qu'on va raconter une petite histoire, je ne sais pas, ou bricoler 3 trucs. C'est autre chose, quoi. C'est ailleurs, c'est un autre espace, c'est un autre horizon, c'est un autre vent, c'est un autre souffle, c'est une autre énergie, c'est un autre désir, c'est une autre possibilité d'être, quoi. C'est une autre possibilité d'existence. Et en fait, Adachi, c'est ça qui est beau, parce qu'il est comme ça, lui. C'est un homme, quoi. C'est un homme vivant, avec un parcours invraisemblable et un cinéma somptueux. Les premiers films sont magiques. Et Prisonnier et terroriste, c'est un grand film aussi. Et ça a été une rencontre, voilà. Et puis j'ai entendu avec lui, on s'est entendu. Voilà, c'est une sorte de fraternité, de co-fraternité avec le cinéma.
Et le film a été monté, tu parlais de montage, et le film a été monté très vite dans ma chambre. J'ai monté sur Final Cut, c'était longtemps que je n'avais pas monté tout seul. Là, j'ai monté seul parce qu'on n'avait pas un rond, de toute façon, il n'y avait pas le choix. Et voilà, et le film existe. Mais je suis vraiment fier, et c'est grâce à Nicole que je remercie encore, et à Nick Lemonnier, la productrice du film. C'est grâce à vous que ça a existé, parce que peut-être que je ne serais pas parti, moi, à Tokyo, de moi-même, tout seul, comme ça. Vous m'avez un peu mis un coup de pied aux fesses. Et surtout, Nicole, elle m'a dit, bon, ben, le film, il est programmé, elle m'a dit ça début janvier, elle m'a dit, le film est programmé le 24 février à la Cinémathèque. Donc, je lui ai dit, mais t'es complètement folle, comment tu veux que je fasse un film en un mois et demi? Et elle m'a dit, ah, ben, écoute, hein, t'as qu'à pas faire de cinéma. Voilà, non, mais donc ça s'est fait comme ça, avec beaucoup de joie, de vitesse, d'énergie, plein de gens qui ont travaillé sur le film, qui ont traduit nuit et jour en japonais, parce que moi je ne parle pas un mot de japonais, donc il fallait quand même que je coupe à peu près là où il fallait couper, quoi, en tout cas dans ce qu'il dit. Et le film est là, et je suis super heureux du film, super heureux de ce que le film nous a donné à nous, et on a l'idée de faire une série de films donc sur des cinéastes. Donc, Nicole et Annick s'occupent de cette série. Donc, il y a un projet sur René Vautier qu'on aimerait vraiment, vraiment faire exister. Il y a un projet sur les newsreels. Il y a un projet sur la bande à Bader, je crois. Enfin, il y a 3 ou 4 projets comme ça qui sont en route, mais on n'a pas un rond. Donc, personne n'en veut, les chaînes n'en veulent pas. Enfin, mais ce n'est pas grave. En fond, c'est pas si grave que ça. Il faut faire les films, je crois qu'à un moment donné, le geste justement, le geste cinématographique, enfin, le geste c'est aussi un geste de rébellion, c'est un geste de combat. Ça peut pas être un geste juste de soumission au marché, au système, un geste de soumission aux institutions, de soumission à l'ordre, de soumission aux choses qui sont politiquement correctes. C'est absolument impossible, quoi. C'est l'abjection, quoi. Là. Donc c'est un geste de liberté, de vie. Et vraiment, je te remercie, Nicole, parce que c'est quelque chose que tu m'as permis de faire et de vivre, quoi. Donc, voilà, le cinéma, c'est une affaire, d'énergie qui passe d'une pensée à l'autre, d'un corps à l'autre, d'un moment du cinéma à l'autre, d'un cinéaste à l'autre, d'un film à l'autre. C'est quelque chose qui n'arrête pas de s'irriguer, quoi. Et voilà. Je crois que... Si no hay ninguna pregunta más, nos quedamos con esta circulación de energía, este plano contra plano entre Philippe y Nicole, y sobre todo que nos irradie estas ganas de hacer y esta inmediatez que tiene la película de Adachi. Y antes de cerrar, sí que quisiera pues, dar las gracias a Philippe, por supuesto, a Nicole, a todos los invitados, al grupo que ha hecho posible esto y en particular a las personas que lo han hecho posible, digamos que han hecho posible el funcionamiento del Congreso, es decir, a María, a Violeta, a Aitor, a Endika, a Albert y a Elena, a todos los que han participado y también quería dar las gracias pues, tanto a las intérpretes como al técnico, a Jordi, que ha facilitado realmente un funcionamiento pues, muy fluido y portentoso de todo. Así que gracias a todos por estos días y por compartir aquí todos estos conocimientos y esta energía que esperemos se perpetúe. Gracias, Philippe. Gracias.